Préparer l'enseignant pour se lancer. Il lui faut d'abord choisir la thématique pour ses premiers échanges. Elle doit lui sembler non seulement possible, ne pas a priori lui poser de soucis qu'il se sente à l'aise, et être susceptible d'intéresser les élèves. Il lui faut ensuite identifier son support. Lily en propose certains, et sélectionner ceux qui font le plus écho aux questions qu'il souhaite aborder avec ses élèves, en veillant pour autant à ne pas faire de l'échange philosophique l'occasion de gérer la classe. Le sujet étant choisi, vaut-il mieux passer par une question, une image ou encore une situation-problème Il faut ensuite préparer philosophiquement le sujet. Lili que préparer pour se lancer que risquerait-il de se passer si le travail n'était pas préparé On pourrait se dire que ce n'est pas nécessaire, que les élèves pourraient se saisir d'un sujet spontanément, commenceraient par en définir les termes et progresseraient dans la réflexion. Ils justifieraient leur position, analyseraient la nature des arguments employés, découvriraient que leurs propos peuvent diverger, opéreraient régulièrement des synthèses et dégageraient de nouvelles directions de réflexion jusqu'à dépasser les positions individuelles au profit de positions plus universalistes. Bon, on comprend bien que les élèves dans nos classes sont en réalité loin de savoir faire cela d'eux-mêmes. Ne pas préparer, c'est alors risquer de ne pas pouvoir les aider à construire progressivement une pensée critique, rationnelle, argumentée et problématisée.